¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo allez-vous? Bon, alors, dans l'affaire Lola, il y a un truc qu'il faut quand même préciser, que Aldo Cerrone, il n'a pas compris, c'est que cette pédophile algérienne a quand même quelques années en France. Et je pense pas qu'elle a importé. Non. Moi, je pense qu'elle a appris ça en Occident, en France. Ça, c'est ce qu'il a pas. Il a omis de dire, en fait. C'est-à-dire que elle a peut-être fréquenté des, je sais pas moi, des satanistes de France. On sait pas quoi. Voilà quoi. Mais non, que c'est un motif sexuel, c'est possible. Que ça pédophile, tout ça. Ouais, d'accord. Ok. Mais si vraiment il y a sorcellerie, cette sorcellerie a l'air plutôt maçonnique. Elle a plutôt l'air occidentale. Sacrifice humain, sacrifice d'une enfant. C'est là qu'il aurait dû peut-être un peu plus faire des investigations. Voyez, donc moi, ça c'est mon avis. Je pense qu'il a pas, il a pas pensé de ce côté-là. Pas vu qu'il a étudié des années en France. Donc l'influence de l'Occident, eh ben, il est là. Hein. Mais ça, il a pas vu ça de ce côté-là, quoi. Voilà, quoi. Après, il va faire une autre vidéo, il dit. Peut-être qu'il va y penser. Mais moi, j'ai déjà pensé avant lui. Voilà. L'affaire est close. Non, en fait, non, elle n'est pas close. On ne sait pas. Il faut voir l'enquête, quoi. De toute façon, des assassinats de gamins comme ça, il y en a faits par des adultes. Il y en a eu aussi au Pérou. Il y a eu un cas, deux cas. Un cas récent, il y a quelques mois en arrière. Le mec, à ce qui paraît, dans la prison, ils lui ont coupé ce gag. Puis ils lui ont fait bouffer. Soi-disant. On ne sait pas si c'est vrai, il y a des fausses vidéos qui tournent. Mais pour dire que là, dans son cas-là, il n'y aura pas vengeance en prison. À moins qu'il lui foute, je sais pas moi, un balai dans le cul. Ça, ce sera à voir. Enfin voilà quoi. Les gens, moi je vous laisse. Il faut que j'aille chanter dans les bus. Et puis oui, au Vénézuélien, il doit collaborer beaucoup plus, même si le mec il dit pas qu'il est Vénézuélien, l'accent est de direct. Moi, les blancs comme moi, ils n'ont pas vu beaucoup qui ici à Arequipa qui font ce genre de choses. À Lima, oui, il y en a, ouais. Mais ici, non.